Le signal rouge de sa venue. Alama nyekundu ishara ya kurudi kwake. Slide 30. Kwa technicien. Paragraphe 67. Tajo wa 67. 23 juillet 63. Tarehe 13 Juni 63. Remarquez. Tazameni. La Bible dit que les hommes buvaient et mangeaient. Biblia yasema kuwa watu walikuwa wakinywa na kula. Eh bien, vema. C'est là. Hiyo, c'est légitime. Ni haki. Assurément. Bila shaka. Le mariage. Ndoa. Est honorable. Ni ya kuheshimiwa. Un homme. Mume. Un homme. Mume. Qui épouse une femme. Anayeoa mke. Cela est honorable. Ni kitu cha kuheshimiwa. C'est Dieu qui a institué cela. Ni Mungu aliyeweka hiyo. Mais. Lakini. Quand on arrive au point où un homme va prendre la femme d'un autre. Inapofika kiwango kwenye. Mume ataenda tua muke wa mtu mwingine. La femme. Muke. D'un autre. Wa mtu mwingine. Iko na bibi yake hapa. Il a son épouse ici. Mais il part prendre la femme d'un autre. Lakini anaenda toa muke wa mtu mwingine. Habia ishia pale. Virgile. Mkato. Où va prendre une jeune fille? Au basi anaenda toa binti msika. Mwenye haiko wa watu. Ehe. Jeune fille qui n'est pas mariée. Ou une femme, peu importe qui elle est. Mwanamke haizuru yeye ni nani? Awe kahaba. Soit prostituée. Awe mujane. Ndiyo. Awe mwenyalisha divorce. Qu'elle soit divorcée. Haijalishi ni nani? Mais aende mutwala na iko na wake tena. Là, elle a prendre pendant qu'il a sa femme. Awe meme bikira. Ndiyo. Même vierge. Peu importe qui elle est. Amen. Amen. Haijalishi yule mke ni nani. Amen. Oh, mimi nilitwalaka fie wa mwaba. Oh, bana. Peu importe qui elle est. Haijalishi yeye ni nani. La femme de notre. Mke wa mtu mwingine. Une jeune fille. Binti. Ou une femme, peu importe qui elle est. Ah, mwanamke haijalishi yeye ni nani. Brise son vœu de mariage et brise son vœu de mariage et fait quelque chose de faux. Anavunja naziri ya ndoa yake na anafanya kitu c'est kibaya. C'est un péché aux yeux de Dieu. Nayo ni zambi machoni pa Mungu. Et la Bible parle très durement contre ça. Na Biblia inahamakia sana jambo hilo. Aseme ni nini? Ni zambi machoni pa Mungu. Qu'est-ce qu'on dit là? Ni zambi. Ni nini? Péché. Bon ça sa kutubu zambi wanafanya kai. Maintenant pour se repentir du péché, qu'est-ce qu'on fait? Zambi. Le péché oui, pour se repentir. Bana comment on fait? Amen. Lorsque vous dites à un ivrogne de laisser l'ivrogne. Lorsque vous dites à un voleur de laisser le polygame nous mambia a endele babakiani. Le polygame vous lui dites de continuer. Wapi? Où est-ce qu'il s'était repenti? Ali samehewaka na nani? Il avait. Mbona na babakiani sasa na ni péché. Mais pourquoi il reste avec ses femmes pendant que c'est un péché? Amen, amen. Pourquoi vous voulez que les autres se repentent sauf les polygames? Kwa nini mnataka wengine watubu zambi wanazo isipokuwa wenye kuwa na wanawake wengi? Vous laissez les polygames continuer à vivre avec ses femmes. Mnaacha wale wa polygame waendelee kuishi na babibi yabo. Paragraphe 136. Mtaji wa 136. Nous revenons à Jude verset 7. Tutaona. Tunarudia kwa Yuda shairi ya saa. L'histoire de Sodome et de Gomorrhe se répète. Habari ya Sodome na Gomorrhe inarudia tena. C'est terrible. Ni hatari. Les hommes vont avec des femmes sans être mariés à elles. Watu wanaenda na wanawake na hawaozwi kwao. Banaenda na banamuke benye haba kuoweshwa kwao. Prendre des femmes pendant qu'ils ne sont pas mariés avec elles. Ils vont auprès d'autres chers. Wanaenda kwa mili nyingine. Mtu anaenda kumwili ingine bambu. Ikisha kwa ingine ni ya nani? Pray une autre chair qui appartient à qui? Ni ya batu. C'est pour quelqu'un d'autre. Juu yake iko pale. Parce que sa chair est là. Anaenda kuyengine. Ndio. Va
ailleurs. Lorsque un homme et une femme sont mariés, wakati mume na mke wanaoana, ils ne sont plus deux mains un. Hawangaliki wawili bali ni moja. Un homme qui va auprès d'une autre femme, na mume anayeendea mke mwingine, se sépare automatiquement de la sienne. Papo hapo anakuwa kamejitenga na mke wake. Et une femme qui va avec un autre homme, na mwanamke mwenye kutembea na mume mwingine, est morte pour son mari. Alisha kufa kwa bwana yake. Et la renier son propre sa propre chair, pale amekana mwili wake mwenyewe, et s'est retranché de lui. Na amejikata kuyeye. C'est vrai. Ni kweli. Au jour du jugement, siku ya hukumu, ils auront à répondre de cela. Watasambishwaka kwa hiyo. Muko mnalundika mkanisa watu. Vous êtes entré d'entancer dans l'église des gens. Banawekewa jugement. Les gens qui sont préparés pour le jugement. Na mnababembeleza. Vous les cajolez. Namwambia bien-aimé frère. Vous leur dites bien-aimé frère. Asante kwa kutupatia sadaka. Merci de nous avoir donné l'offrande. Na unayua iko pale ku jugement. Na ushaka bisoma mu Branham. Et tu sais que le jugement est préparé pour lui et tu as déjà lu ça dans les brochures de Branham. Oh, santé, niliona karibira uliniuzia frère. Merci, j'ai vu les karibira que tu m'as acheté frère. Na vale bana yua kabe saba pasteur. Et puis ça, vale bagayare vale. Et puis ça, pasteur benye habana Mungu bana shindwa kabaonya. Des pasteurs qui n'ont pas dit, ils n'ont même pas comment exhorter ces gens. Au jour du jugement, ils auront à répondre de cela. Watasambishwaka kwa hiyo. Donc, mana yake, kanisa lenye linayala ba polygame, une église pleine de polygames, na linabaitika, et qui accepte ces gens, linalundika batu benye banawekewa hukumu. Quand on sait les gens qui sont préparés pour le jugement. Amen, amen. Amen. Apime tuenda lalako. Oui. Apime tuenda lalako. Oui, qui partent, qui osent aller passer la nuit là-bas. Kisha we pasteur, et toi pasteur, unamwona dimanche mkanisa, tu le vois le dimanche à l'église, unaona kama hakulala kwa bibi wa pili, et tu sais qu'il n'a pas passé la nuit chez la première femme, na ushaka soma pale, et tu as déjà lu cette citation, na unafere sambla, et tu fais sambla comme si tu n'as rien vu, utasamba naye, tu répondras au jour du jugement avec lui. Oui, oui. Amen. Bale batu, ces gens-là, habastahili meza, ils ne sont pas dignes de prendre la communion. Les messagers du temps de la fin. Amen. Ujumbe unaoitwa mujumbe wa wakati wa mwisho. Sasa ndakuuliza kama nao utabatiza kama mwenye hayo utapatia kama. Je te demande si va faire baptiser quelqu'un qui ne prendra pas la communion du Seigneur. Les messagers du temps de la fin, mujumbe wa wakati wa mwisho, 16 janvier 63. Ile hubiriwa tarehe 16 Januari 63 mwaka. Paragraph 33. Tajwa 33. Vous pasteurs, ninyi wachungaji, n'avez-vous pas honte? Hamuna haya de laisser des hommes et des femmes être des diacres. Mwachilie waume na wanawake kuwa mashemasi. Et quelque autre que ce soit. Au haizuru kitu kingine kama kile. Alors qu'ils ont deux ou trois femmes vivantes. Wakati wanaishi na wanawake wawili watatu na watu hai. N'avez-vous pas honte de ces choses, vous pasteurs? Hamu na haya ya mambo hayo enyi wachungaji. Accepte comme membre de votre église déjà qui vivent dans l'adultère et fume des cigarettes. Mnaokubali watu kuwa washiriki wa makanisa yenu wanaoishi katika usharati na kuvuta sigara. Vous ne mentionnez jamais ces choses du haut de la chair. Na hamu hamakie mambo yale kwenye mimbara zenu. Honte à vous. Haya kwenu. Je prie pour vous. Niko ninawaombea. Nibia makali. C'est dire. Ça, mon onaka, tu n'as quoi makali. Musique, mon onaka, c'est messieurs, nous katala bengine. Lorsque vous nous voyez strict, vous ne pensez pas que c'est nous qui les couchons de Mungu. Nous ne serons pas strict plus que Dieu. Acha sema haya kwenu mapasta. On a dit honte à vous, pasteur. Ben yemuko mon a gardé ba leba tumukanisa. Vous qui gardez ce genre de gens à l'église. Pas ça wa bageni. Je suis polygame, mais ça quoi mugeni mukanisa. Oui, un polygame peut être visité dans une église. Mais hata itwa ka frère wa la sœur wa mui. Mais il sera jamais allé appeler frère ou sœur dans l'église. Bibi wa pile neza quoi na kusanyika. La deuxième femme peut communier avec les gens. Havata mukonsidera kasa walisha kwa mushiriki wa pale 100%. Mais ne sera pas considéré comme la véritable croyante de cette église. Baka sikwa na acha bile bibi. Jusqu'à ce qu'elle ait abandonné celle. Leo bengine, maintenant les autres aujourd'hui, ils en font des diacres et quelque autre que ce soit. Aijalishi yeyote yule. Page 17, le messager du temps de la fin.
ukurasa wake wa 17 ya ile ujumbe. Des hommes et des femmes prennent de la communion. Eti wanaume na wanawake wanaenda kumeza. Quoique vivant avec deux ou trois femmes ou deux ou trois maris. Wakati wanaishi na wake wawili au waume watatu. Il fume de la cigarette. Wanavuta sigara. Et font toutes ces choses. Na wanafanya mambo yale. Ce qui ne les empêche pas de venir à l'église et de communier. Nayo haiwazuie kwenda kanisani na kufanya ushirika. Sema kumeza njoo baisi. Kumeza ushirika ni Kiswahili cha nguvu. Sema tu meza ya Bwana. Ndio. Juko mwenye ukisema ushirika taweza ni kushirikiana tu. Meza ya Bwana. Basi qui est bien vile biko vya buzito. Amen. Des hommes et des femmes prennent de la communion. Wa ume na wake wanaenda kumeza ya Bwana. Quoique vivant avec deux ou trois femmes ou deux ou trois maris. Wakiishi na waume wawili au wake wawili. Il fume de la cigarette. Wanavuta sigara. Et font toutes ces choses. Na wanafanya mambo yale. Ce qui ne les empêche pas de venir à l'église et de communier. Na hiyo haiwazui kuja kanisani na kwenda kumeza ya Bwana. Je pourrais entrer profondément dans le sujet, mais je dois me freiner. Ningeliweza enda mukilindi ya mambo lakini abidi nisimame. Vous pouvez néanmoins lire entre les lignes. Ninyi wenyewe mwaweza kusoma kati ya mistari. La Bible montre les choses qui sont vulgaires et celles qui ne le sont pas. Biblia inaonyesha wazi mambo yaliyo vurugeni mabaya na yenye yako wazi. Swali ni hili. La question est celle-ci. Mwanaume mwenye kuna wanawake mbili anaweza kuya kumeza? Un homme qui a deux femmes peut-il venir à la communion ou à la sainte cène? Ndio wala pana. Oui ou non? Sasa makanisa zingesikuwa zinabapatia meza zilibitosha wapi? Na les églises qui leur donnent la sainte cène. Où est-ce qu'ils avaient tiré ça? Bon, sasa utabatiza mwenye hawezi patia meza. Maintenant, tu vas baptiser quelqu'un à qui tu ne peux pas donner la sainte cène? Question. Pale julu amekuwa ametangulia mule hii meme brochure sema meza zimejaa matapiko. Là ambao on parlait des choses. Pale julu ya hapa kwenye nimesoma. Là ambao là ho on disait que les communions les tables sont pleines de vomissements. Meza zimejaa matapiko. Donc polygame kikuya kumeza manake amekuwa. Si un polygame vient à la sainte cène, il vient vomir sur la sainte cène. Donc kama uko mkanisa na unaona wanapatia meza mtu mwenye kuna ba deux usiguse. Wende. Si tu es dans une église qu'on donne à un polygame la sainte cène, ne touche même pas ça. Tu pars, va-t'en. Uko nakula matapiko. Ndio. Tu es en train de manger de la vomissure. Il y a beaucoup de citations que je ne saurais pas Minda lire. Mais je vais lire juste une citation. Nous allons lire deux. Je vais juste vous citer les autres. Frère Branham est en train de comparer la prostitution. Ndugu Branham iko nalinganisha ukahaba au umbaraga. Di divorce. Anatofautisha umbaraga na talaka. Kona en Italie. Et en France. Inayopatikana Italia na Ufaransa. Il dit que anasema kwamba la polygamie est mieux que la prostitution et le divorce. Eti ndoa ya wanawake wengi ni heri kuliko kuachana na ukahaba. Mais lakini il conclut, il dit ceci. Anajumlisha kusema dans les pays où il y a la polygamie. Katika nchi ambapo polygamia inapatikana. C'est mieux mille fois. Ni vizuri mara mia. Et pourtant ingalau la polygamie, c'est mal, nous le savons. Polygamia ni mbaya, twajua hiyo. Ni mbaya. C'est dans la prédication la 70e semaine de Daniel. Ni katika mafundisho majuma sabini ya Danieli. Paragraphe 210. Mstari wa 210. Je pose la question. Sasa niulize. Est-ce que ce qui est mal entrera dans le ciel? Je, kilicho kibaya kitaingiaka mbinguni? Kwenye wanakuambia bila kikunjo. C'est qu'on te dit ce qui n'est pas mal. Sans rides. Même mwile kitabu inaitwa le surnaturel. Mambo ya kiungu. Au paragraphe 47. Kwa mtaji wa 47. Il parle de trop de choses. Anaongelea mambo mengi. Il dit que celui qui fait la polygamie c'est comme un cochon. Anayeoa wanawake wengi analinganishwa na nguruwe. Il continue, il dit. Anaendelea kusema. Maintenant. Eti sasa. Rappelez-vous. Kumbukeni. N'allez pas dire que je crois à la polygamie. Non. Hey, eti. Musiende sema ya kwamba ninaamini poligamia. Hapana.
Est-ce que les musées m'ont quenza itoche? Usiende ni semea bongo. N'allez pas tromper, n'allez pas mentir. Que mie ni naamini polygamia. Moi, je crois la polygamie. Apana. Non. Anakata. Kisha wende museme chaseme. Frère Branham accepte. Et puis vous allez dire que Frère Branham croit la polygamie, non? Non, non. Kwenye kuko maswali mawidi. Now we have deux questions. Maintenant, où les wapiti? La deuxième femme. Batu wa mufanya aye. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Les écritures sont claires. Kisha tumalize. Puis nous allons finir. Mbele uniulize ile swali. Avant de me poser cette question, est-ce que d'abord Mungu iko témoin? Mais est-ce que Dieu est témoin? Amen. Amen, amen. Wakubisambula atakuwa mekosa. C'est lui qui bafoue ça. Bitu yenye Mungu haikuwa mo témoin. Les choses dans lesquelles Dieu n'est pas témoin. Parce qu'il est témoin pour ule wa kwanza. Dieu est témoin pour la première fois. Ili ya kujongezea divi yako. Les choses que tu ajoutes ça ne te concerne que toi. Mwenye anaribomola atakuwa mekosea Mungu na Mungu hakuwake mwario. C'est lui qui détruit cela. Est-ce qu'il aura fait mal contre Dieu pendant que Dieu n'est pas témoin? C'est Dieu qui a haukulunganishwa na Mungu. Tu n'as pas été béni par Dieu. Mariage et divorce, paragraphe 285. Ujumbe unaoitwa ndoa na talaka. Juba frère mingi saba na mapoze le question bana kwa makapa. Ya beaucoup de frères on les pose cette question. Frère, il s'arrête là. Na ukimutenga na ule wa pili suna mfanya marié divorcé. Et puis il dit est-ce qu'il a été marié d'abord? Si tu excommunies cette deuxième femme, tu seras marié, tu vas me faire marié divorcé. Est-ce qu'elle est mariée d'abord? Jamais. Il ne faut pas défendre les choses qui ne sont pas connues ou connues dans les Écritures. Ce que Dieu a uni, kile Mungu aliunganisha, qu'aucun homme ne le sépare. Kusiwe mtu wa kukitenganisha. Parce que l'homme a uni, apana chenye mtu aliunganisha. C'est ce que Dieu a uni. Ni kile Mungu aliunganisha. Amen, amen, amen. Les gens, les femmes que tu t'es donné. Aïe, Mungu alibakulunganisha kako. Ce n'est pas Dieu qui t'a uni avec ces femmes. Mwenye banakatazwa kutengana na mume ni mwenye Mungu aliunganishaka. Mais benye we ulijikole yako, haiko Mungu. Celle avec laquelle on ne peut pas se séparer, c'est la femme, la première femme. Pas les autres là que tu t'es donné toi-même. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, wakati unafunuo toka kwa Mungu, comme quoi cela votre femme, kama vile yeye ndiye mke wako, et vice versa, na kadhalika, cela votre pour le reste de votre vie. Amen. Huo ni mume na mke wako wa maisha yako yote. Voyez, je unaona? Par contre, ce que l'homme unit, n'importe qui peut le séparer. Zidi ya hii yoyote ile yenye mwanadamu aliunganisha haizuru nani anaweza tenganisha hapo. Fukuza. Chasse c'est là. Wewe ulijipatiaka. Ndio. Abina mo Mungu. Dieu n'est pas dedans. Fukuza. Chasse là. Ni tate yako ndio alikwambia kama mwanamke tunaone wa kwanza hapana. Wewe ni tate ni basi walikupa. C'est ta grand-mère qui t'avait dit non la deuxième femme tu peux la prendre parce que la première on l'aime pas. N'importe qui anaweza détruire. Haijalishi nani anaweza li bomola. Haviko protégé na maandiko. C'est pas protégé par les écritures. Havikingwe na neno. Amen. Ça c'est vrai. Unaweza mwambia tunaachana. Je pas vous pouvez lui dire que on se sépare. Sikupige. Je ne te bats pas. On a mis des enfants mondes. Je vais les garder. Ndabasomesha. Je vais les scolariser. La maison est là. La parcelle est là. Kazi. Il y a du boulot. Élève mes enfants mais là-bas. Mais me voir encore sur ton lit. Ah. Niende consommer maouti. Aller consommer la mort. Apana. Non. Sumewamini. Est-ce qu'on t'a dit que pour se séparer d'elle, il faut la frapper? Non, non. Non. Kulala naye tu. Passer une finir avec elle, c'est ce qui est interdit. Mais haikukataze ma responsabilité. On ne te demande pas de refuser ou rejeter tes responsabilités envers tes enfants. Non, non. Amen. Que personne ne dise, le pasteur a dit, prends la machette, kata buchafu. Va couper la femme Fukuza. Là. Chassez-la. Bale batoto. Et ses enfants? Nibako. Ce sont tes enfants. Leya batoto, élève tes enfants. Aide la femme à bien garder ses enfants. Tena kukitanda, mais revenir sur son lit, nous disons non. Kule, mauti. Si tu vas là-bas, c'est la mort. Amen. Dio. Amen.
Paragraphe 285, le mariage. Par contre, yo, ce que l'homme est uni, chenye mwanadamu anaunganisha, n'importe qui peut la, le séparer. Haijaishi nani anaweza watenganisha. Lakini, ce que Dieu uni, kilichounganishwa na Mungu, aucun homme ne savise d'y toucher. Kusiwe mtu atakaye jaribu gusa. Ce que Dieu uni, chenye Mungu anaunganisha. Il a dit, alisema, aucun homme ne le sépare. Kusiwe mtu wa kuwatenganisha. Parce que magistrat moitié ivre ou quelqu'un d'autre a joint. Hapana yenye hakimu aliyeelewa aliunganisha. Ou un prédicateur rétrograde. Wenye waliunganishwa na mhubiri mwanguka. Alianguka. Benye balienda balikiwa mulukanisa lwa mutumishi mwenye alishaka anguka. Bongola. Kusani umi aseme balibaombiaka mukanisa. Sela kona beni dans une église où le pasteur est rétrograde. Ni mutumishi rétrograde mwenye alibalunganisha bomola buchafu. Amen. Tu dois détruire cela. Amen. Frère, mbone bali baombia kama kanisa na ule bibi wa pili. On les a bénis dans une église avec la seconde femme. Mwenye alibalunganisha alikuwa na mini. Qui vous avez, qu'est-ce qu'il avait écrit, qu'est-ce qu'il croyait? Un prédicateur rétrograde. Mhubiri aliyeanguka. Bomola buchafu. Détruisez cela. Avec un paquet de credos dans un livre qui le laisse faire absolument n'importe quoi alors que la parole de Dieu est là devant lui. Voyez? Je parle de ce que Dieu a uni. Mimi niko naongelea kuhusu chenye Mungu aliunganisha. OK? Sawa. Mwanamke wa pili. Une deuxième femme. Kama alishaka kanyanga hapa. Si elle un jour, elle a un jour foulé son pied. Wala hapa. Ou qu'elle vienne ici. Hatumufukuze. Nous ne la chassons pas. Lakini hawezi nyakuliwa. Mais elle ne peut pas être enlevée. Tant qu'angali mwa ile bunyumba. Si elle reste toujours dans ce jehanam. Elle ira en enfer. Anaelekea mumoto. Aussi longtemps elle reste. Nani vienye alijilunganisha kwa yeye peke Mungu hakubitika. Et c'est qu'elle-même s'est unie avec cet homme, hein? Dieu n'est pas dedans. Amen.